Bienvenue sur ma chaîne Elifa. Je suis encore très ravie de vous retrouver sur cette vidéo. Si vous êtes nouvelle, bienvenue. Si vous êtes ancienne, bienvenue encore à la maison. Pour les nouvelles, moi c'est Pauline aka Wendy Williams africaine aka Tata Po. Si tu es déjà arrivé ici, il ne faut pas finir la vidéo. Souscris et surtout n'hésitez pas à cliquer la cloche à côté pour ne pas rater mes notifications lorsque je mets une vidéo en ligne. Alors aujourd'hui on va parler de qui d'autre? Black China a décidé de demander la pension alimentaire sur Snapchat. Hey, Black China a pris pour sous son Snapchat pour dire Robert et Tyga, il y a quoi avec l'argent? C'est comme si l'argent n'a pas passé, parce que je sais pas pourquoi est-ce qu'elle est en train de demander ça sur Snapchat, parce que ici les gens qui payent le chat support ici que moi je connais, on leur coupe directement dans leur paycheck. Or, comme Tyga et Rob sont eux-mêmes self-employed, je suis sûre que non, ils doivent peut-être partir payer. Chana, ne t'inquiète pas, peut-être que non, c'était le week-end. Et puis ils vont te donner lundi. Pourquoi demander la pension alimentaire maintenant sur Snapchat? Je croyais que tu étais tellement riche. Tout ça là, c'est moi pour nourrir les poussins. Ton petit poussin. Mon Dieu. Alors si vous ne savez pas, le petit poussin de China, c'est un rappeur, c'est un bébé rappeur. Il est en train de monter, il veut monter pour devenir aussi un grand rappeur. Mais il est encore au niveau là de babysitter, donc au niveau là des nannies. Il faut lui acheter des habits, il faut lui acheter des chaînettes, il faut lui produire. Alors maman China veut tellement investir sur la vie de ces petits là. C'est pour cela que non, il ne veut pas qu'il y ait des retards de child support, you know, des pensions alimentaires venant des Tyga et de quoi? Et de Robert. Et pour les gens qui disaient toujours oh, China a l'argent et tout, je ne pense pas qu'une femme qui est riche va demander la pension alimentaire comme ça, comme China est en train de dire. Ils ont juste dépassé deux ou trois jours directement. Tu écris sur Snapchat, envoyez-moi l'argent. Pourquoi il y a pas, pourquoi il y a les retards? J'ai checké sur mon compte bancaire, je ne vois pas le quoi, les transferts. Ça c'est moi qui est en train d'exagérer maintenant. Hey, c'est comme si elle attend toujours. Hein? Hey, c'est le 15e aujourd'hui, le 15. Hey, l'argent des Tyga devait entrer. Hmm? Le 16, l'argent des robes devait entrer. Hey, c'est passé. Ah, ils font me sentir les deux là. C'est pour cela qu'elle est venue leur dire oh, sur Snapchat. Il faut partir faire les transferts. Alors dites-moi, est-ce que Chan est en train de faire bien là? Demander l'argent au papa de ses enfants sur Snapchat. Mais le problème est que China, tu fais ça aux papas qui sont irresponsables, aux papas qui ne prennent pas soin de leurs enfants. Mais ces deux-là prennent soin de leurs enfants. Donc peut-être s'ils dépassent même deux ou trois jours, tu peux leur, tu peux leur accorder la grâce. Moi, je travaillais là où on devait appeler les gens pour leur demander quoi, l'argent. Quand même, on leur donnait peut-être à deux ou trois jours ou cinq jours. Après, ils peuvent venir payer. On leur donne une période de grâce. Donnez-les. Ce sont les papas de tes enfants. Alors, dites-moi en bas, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que là, Chan est en train juste de chercher l'argent ou elle est en train de chercher le buzz? Parce qu'on sait déjà qu'elle est en train de chercher le buzz. Alors, dites-moi en bas, n'hésitez pas à désouscrire, liker. Et on se retrouve à la prochaine, Eliva. Ciao, ciao.